Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce matin pour ce webinaire sur les clés pour une implantation réussie sur les marchés espagnols. Je suis Gisela Sanchez, responsable des projets au sein du Finance Innovation. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Finance Innovation, on est le pôle de compétitivité de la finance digitale en France. Nous regroupons un écosystème d'environ 600 membres. La typologie de notre partenaire est assez diverse car nous travaillons avec des startups, donc des fintechs dans le sens très large, des insurtechs notamment, et des grands comptes, des grandes banques, des assureurs, des asset managers du secteur de la finance en France, des investisseurs aussi, des incubateurs, des accélérateurs, des associations et des experts conseils. Donc, nous avons choisi comme sujet des discussions de ces webinaires aujourd'hui, les lancements à l'international, les clés pour une implantation réussie sur les marchés espagnols. Et pour cela, on a le plaisir d'accueillir plusieurs de nos membres. Pascal Chardour, directeur général et cofondateur chez Adinvest International. Jean-Claude Verdier, référent en Espagne chez Adinvest également. Et Mathieu Larocque, manager financement de l'innovation et de subvention chez Leite. Donc, avant de passer la parole à Mathieu qui va démarrer cette séance et nous présenter un peu l'agenda qui sont spécialement préparés pour vous, je vous rappelle que vous avez à droite de votre écran un chat pour et un espace de questions aussi pour poser toutes vos questions. On va essayer d'y répondre à la fin de la séance. L'objectif, c'est que le webinaire soit le plus interactif possible, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Et sachez que la rediffusion sera disponible dès la fin du webinaire et sur la chaîne YouTube de Finance Innovation. Donc, merci pour votre attention. Et Mathieu, maintenant, je peux te laisser, je te passe la parole. Merci beaucoup, Gisela. Donc, je me présente. Donc, moi, je suis Mathieu Larocque, je suis le manager aide et subvention au sein du groupe Layton. Juste deux, trois mots sur Layton. Donc, on est un cabinet international basé dans plus de 12 pays qui aident les entreprises à optimiser leur performance financière. Donc, on est basé dans 12 pays et dont l'Espagne. Donc, sujet qui va nous occuper aujourd'hui, basé à Madrid et à Barcelone notamment. Et donc, on a dû faire face, nous aussi, au sein de Layton, du coup, à ces problématiques, on va dire, d'internationalisation de notre activité. Alors, pourquoi parler de l'export et quel intérêt ça peut avoir pour vous, finalement? Alors, il faut savoir que c'est une vraie opportunité. La plupart des, près de deux tiers des dirigeants d'entreprise considèrent que se déployer à l'international, c'est une vraie opportunité de rebond pour les entreprises, notamment dans ce contexte de crise actuelle. Il faut, si on essaie de repositionner un peu les éléments dans le contexte global, l'activité export des entreprises françaises était partie plutôt en croissance, si on regarde avant la crise de 2020, hein, avec une croissance de plus 3% comparé à, en 2019 comparé en 2018. En termes de volume, ça représentait à peu près 130 000 entreprises exportatrices de biens, hein, lors de cette année-là. Alors évidemment, la crise est passée par là, avec le contexte qu'on connaît tous et la fermeture des frontières qui ont engendré une chute de l'exportation, hein, à peu près entre 15 et 20% global, je crois, sur l'année 2020. Mais maintenant, le contexte va de mieux en mieux, les frontières sont réouvertes et les activités export, on va dire, repartent à la hausse. Donc, c'est vraiment le sujet qui va faire l'actualité et une opportunité, du coup, à regarder de votre côté. Et si on s'intéresse justement à cette opportunité-là, est-ce qu'elle concerne uniquement les grandes entreprises ou pas? C'est la question qu'on peut se poser. Mais si on regarde les chiffres, alors évidemment, les grands groupes vont représenter plus de la moitié, on va dire, du chiffre d'affaires exporté annuellement. Mais par contre, en termes de volume d'entreprise, les PME et les ETI représentent 99% des entreprises exportatrices annuellement. Donc, ce qui n'est pas rien. Donc, on voit que finalement, les PME jouent un rôle important dans l'activité export au niveau français. Un autre point qui peut être intéressant aussi, c'est que si on regarde notamment les entreprises qui ont été accompagnées par un réseau particulier, qui s'appelle le réseau Team France Export, hein, qui va rassembler Business France, les CCI, enfin toutes les solutions d'aide publique aussi, hein, notamment les solutions BPI France, pour accompagner les entreprises à l'export, on remarquera que les entreprises
qui sont accompagnés par ce réseau-là pour aller à l'international, mais 70% d'entre elles, enfin 60% d'entre elles qui allaient à l'export avaient moins de 10 salariés. Donc concrètement, hein, vous êtes une jeune entreprise, vous souhaitez aller à l'export, ben c'est possible pour vous. Hein, vous trouverez d'autres exemples, d'ailleurs on va les aborder aujourd'hui, d'entreprises qui réussissent à l'international sans pour autant être, on va dire, très expérimentées sur ce sujet-là. Autre indicateur aussi intéressant à regarder, c'est quel impact sur l'activité économique des entreprises une fois qu'on va à l'export. Mais pareil, si on regarde ce pool d'entreprises accompagnées par ce réseau Team France Export, mais c'est un impact bénéfique sur l'activité économique, plus de 275 000 euros en moyenne, hein, les chiffres d'affaires supplémentaires grâce à l'activité export. Également aussi, ça va créer d'emplois en moyenne 1,5 ETP créés grâce justement à l'activité export. Donc tout ça pour vous dire... l'export, c'est un sujet d'actualité et c'est un sujet d'actualité qui concerne également les jeunes entreprises. Regardez, voilà, ça vaut le coup de, on va dire, d'échanger aujourd'hui autour de ce point de vue-là. Alors maintenant, si on s'intéresse à l'Espagne, qui est l'objet de notre échange aujourd'hui, mais pourquoi s'intéresser particulièrement à ce marché-là? Mais déjà parce que c'est un partenaire qui nous veut du bien, si j'ose m'exprimer ainsi. L'Espagne se situe aujourd'hui au quatrième rang des exportations françaises. Donc on va dire, on s'est exporté vers l'Espagne, alors de par peut-être aussi sa proximité, de par aussi peut-être des relations commerciales historiques qu'on peut avoir avec ce pays-là. Mais c'est, on va dire, les relations commerciales à l'Espagne, avec l'Espagne, sont plutôt... on va dire, en faveur de la France, la balance commerciale est plutôt positive envers ce pays-là. Donc, ce qui met déjà, on va dire, en confiance. Si on regarde les marchés qui sont porteurs dans ce pays-là et qui pourraient vous intéresser, alors on va retrouver tout ce qui est télécom, informatique, IoT, la robotique industrielle, la cybersécurité. Il faut savoir que voilà, l'Espagne, ces dernières années, a connu un déploiement massif des télécoms, notamment avec... la 5G, c'est un des pays les plus avancés sur ce sujet-là. Et également aussi, c'est un acteur phare, on va dire, dans la cybersécurité. Donc, ce sont des thématiques ou des marchés qui peuvent vous intéresser. En tout cas, c'est un marché porteur dans ces pays-là. Alors, j'ai remis ces métriques-là qui viennent là aussi des études de marché proposées par Team France Export. Hein. Vous voyez quelques métriques. Hein. On voit à peu près l'index, on va dire, d'adoption des technologies ICT qui est très élevé, à peu près 80%. Vous avez aussi quelques métriques sur les marchés. Alors là, j'ai un peu de mal à lire, mais je crois que c'est 34,5 milliards, c'est sur les télécoms. Et hop, je vais essayer juste de me retrouver mes chiffres, moi, de mon côté. On est sur, sur le second marché. 1,3 milliard, c'est sur la partie cybersécurité. Donc, vous pouvez voir que ce sont des marchés... conséquences si on regarde les chiffres et donc qui peuvent aussi vous attirer en termes de déploiement d'activité. Voilà pour la partie introductrice. Je passe la main maintenant à Pascal qui va aborder un peu les problématiques que l'on rencontre quand on souhaite aller à l'international. Oui, merci Mathieu. Donc bon, vous avez pu voir avec ce que Mathieu a soulevé que les opportunités de marché que propose l'Espagne déjà en termes de proximité géographique, culturelle et business sont particulièrement intéressantes. Et dans cette partie que je vais aborder, moi, on va se poser la question en tant que dirigeant, c'est-à-dire quand on a des données telles que le cabinet Letton est capable de nous apporter au regard des questions, qu'est-ce que ça nous pose à nous, dirigeants d'entreprise, dirigeants de PME, ce que l'on peut faire. Alors pour ça, je vais vous expliquer deux petites choses. Donc déjà, notre cabinet Adinvest, en fait, se pose la question simplement en tête que il y a l'entreprise, il y a le projet, mais il y a aussi vous, en tant que dirigeant de PME, TPE ou entreprise moyenne, enfin donc quand je suis à la tête d'une organisation, je dois arbitrer. Et comment je vais me poser les questions pour arbitrer? Donc notre métier, nous, en tant qu'Adinvest, c'est vraiment d'accompagner cette démarche de réflexion du dirigeant et d'aider à faciliter les choses, d'aider à intégrer les données que des cabinets comme Letton sont en capacité de produire. Dans ma tête, comment je mets ça dans ma stratégie et comment j'avance.
Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est déterminant pour être dans une logique de réussite. Vous voyez, par exemple, le BPI France a fait faire une étude en 2016. D'ailleurs, il y en a une qui vient juste d'être sortie. On n'a pas encore eu le temps de l'intégrer dans les slides, mais on a découvert que les chiffres n'ont pas franchement avancé. C'est-à-dire que le niveau de solitude du dirigeant par rapport à tout ça, il est vraiment assez fort. Je me retrouve, près de la moitié des personnes se retrouvent quand même isolées par rapport à la problématique de décision dans un contexte comme ceci, et un tiers quasiment se sentent mal entourés ou pas entourés. Et donc il y a vraiment une problématique sur des enjeux comme celui de l'export, même si avec l'Espagne on peut se dire c'est pas la Chine, c'est pas très très loin, c'est quand même un autre pays avec une autre culture, et donc il y a de l'enjeu, il y a des opportunités, certes, mais il y a aussi des éléments de risque. Et donc, face à ces éléments de risque, toujours la question en tant que dirigeant, c'est jusqu'où, comment j'évalue ces risques et comment j'anticipe. Et donc, le fait de se retrouver face à tout ça amène des questionnements. Et comme le soulevait tout à l'heure Mathieu, les questionnements sont d'autant plus forts lorsqu'on est primo accédant à l'export, si on peut dire. Mais l'expérience, le vécu montre que on peut avoir quasiment pas d'expérience à l'export et pouvoir engager une démarche. Le tout, c'est qu'il ne faut pas l'engager n'importe comment. Il faut la réfléchir et la structurer. Donc, effectivement, ces chiffres-là, 45% qui se sentent seuls et 29% qui se sentent mal entourés. On peut se dire, oh là là, ça fait quand même quelque chose de complexe. Mais sachez qu'autour de vous, il y a un certain nombre d'acteurs. Bon, vous en avez deux organisations aujourd'hui qui sont là, des gens comme nous, pour vraiment vous aider à avancer sur cette démarche. Alors, pour avancer, il y a un certain nombre de questions à se poser. Nous, de notre côté, en tant qu'Adinvest, on a fait un choix très, très clair dans notre stratégie initiale depuis 10 ans. C'est d'avoir dans nos équipes ce qu'on appelle des business mentors, c'est-à-dire des gens qui ont un vécu dans la réalité opérationnelle des choses, donc des gens qui ont été dirigeants, mandataires sociaux, enfin des gens qui connaissent la problématique d'arbitrage d'un dirigeant et qui sont là pour accompagner cette réflexion, pas pour orienter, pas pour prendre la décision à la place d'eux, mais accompagner cette réflexion. Donc ça veut dire que cette personne devient un tiers de quelque part de confiance, hein, parce que le dirigeant il choisit la personne en qui il va avoir confiance pour l'accompagner sur ce dispositif, sur cette démarche légitime. Et de ce fait-là, ce binôme amène ce questionnement, aide à construire ce questionnement et cette réflexion. Donc on a vu avec Mathieu tout à l'heure, la cible, les chiffres, les potentialités. Après, nous, de notre côté, on se dit, mais monsieur le dirigeant, madame la dirigeante, quels sont les enjeux pour vous? C'est quoi la démarche? Vous avez un dispositif humain, comment vous l'exploitez? Et vers quelle cible vous allez? Est-ce que c'est une stratégie de croissance forte? Est-ce que c'est une stratégie de valorisation de mes actifs? Et donc, est-ce que j'ai une volonté d'avoir des actifs industriels? Comment je le fais? J'ai des brevets, j'ai des licences. Ces questionnements-là sont particulièrement importants parce qu'on va pas aborder de la même façon un pays si on y va pour ouvrir des bureaux, si on y va pour faire des partenariats technologiques, si on veut pour y licencier un produit. Donc ça, c'est vraiment des réflexions structurelles extrêmement fortes. Et de ce fait-là, on y amène derrière tout un certain nombre de déclinaisons qui vont être liées à des partenariats commerciaux et financiers. Donc, vous voyez que les questionnements et les enjeux peuvent être extrêmement divers. Ils sont alimentés par un input que les chiffres que Mathieu donnait permettent de dire, bon, ça a du sens, ça a de l'opportunité. Mais de l'autre côté, en interne, il faut que je me pose ma question sur les trois leviers qu'on a mentionnés ici, c'est-à-dire, est-ce que j'ai les compétences? Est-ce que j'ai les réseaux qui vont bien? Est-ce que j'ai la capacité financière à tenir? Pas simple comme questionnement, mais les fondamentaux, ils sont là. C'est-à-dire que il faut que je puisse avoir une vision la plus objective possible de la réalité des savoir-faire et des capacités de mon organisation. Chose toute bête, je vais vous donner un petit exemple, c'est-à-dire que on regarde, nous, par exemple, si l'entreprise, elle fait des achats à l'export.
Ça paraît idiot. Voilà, on parle de commerce et de développement de business, mais c'est sûr que si déjà on fait des achats à l'export, on a déjà en interne dans l'organisation un petit peu de culture à cette internationalité. Les compétences, c'est clé. C'est-à-dire, c'est est-ce que ce que j'ai à l'intérieur pour ne pas me mettre trop en vulnérabilité, et dans ce que je n'ai pas à l'intérieur, mais comment je vais m'entourer, recruter, préparer de façon à ne pas mettre mes savoir-faire en situation de risque. Donc, vous voyez, on est dans cette logique, comment dire, itérative, où on a un savoir-faire d'un côté que je veux exporter. Donc ça, c'est je pousse mon offre. De l'autre côté, je vais avoir des questionnements en disant comment le marché va avoir de l'appétence à mes savoir-faire et comment je suis en mesure de transférer ces savoir-faire sur le pays cible. Donc ça, c'est un point extrêmement déterminant parce que c'est je transfère des personnes, je cède mon savoir-faire à un acteur tiers que je choisis sur le territoire, quel enjeu, quel risque ça représente pour moi, comment ça impacte mon modèle économique et comment j'en joue. Donc, vous voyez, c'est vraiment un élément très, très réflexif qu'il faut mettre en place pour pouvoir y aller, d'où l'importance aussi d'y aller par petites touches. Vous le verrez sur les exemples qu'on vous illustrera plus tard. Avoir une démarche d'intention, mais la faire sur la durée, la préparer et de fait, en évaluant et en testant les situations, ça nous permet de bien valoriser les savoir-faire qu'on peut mettre sur le place sur le territoire et structurer la façon dont ils sont exploitables par rapport à la culture, par rapport au périmètre qui se passe ici. Donc ça, c'est un élément très clé. Je peux juste faire une petite parenthèse sur une anecdote. Alors, c'est pas dans un secteur tech du tout, mais j'ai un souvenir d'un dossier client d'une PME, enfin une PME, une petite ETI maintenant, parce ils sont plus de 2000 salariés en France, qui fait de la location de véhicules industriels et qui voulait s'implanter en Pologne. Et hop, ils ont mis, allez, on va, fort de leur succès en France, ils ont dit, on y va comme ça et on s'installe sur place. Et ça leur a coûté une fortune pendant 2 ans, pratiquement 300 000 euros par an, et pour arriver au constat que de toute façon, les Polonais en avaient marre, excusez-moi du terme, de se retrouver conquis par les autres pays, et donc le seul moyen de faire quelque chose, c'était de faire une alliance avec quelqu'un en local, ce qu'ils ont fait depuis et qui leur a permis d'avoir une implantation là-bas. Donc vraiment être, pas parce qu'on a des compétences, on a des savoir-faire, que c'est automatiquement de cette façon-là, donc il faut cibler le pays. Donc voilà, savoir-faire, compétences, ça c'est vraiment un premier point qui est vraiment clé. Ensuite, il y a nos réseaux, ce dont on dispose. Quel est mon réseau de proximité? Comment je vais pouvoir utiliser ce réseau-là pour soutenir cette réflexion de diffusion de mon savoir-faire ou d'alliance ou de conquête, en fait on pourrait dire comme ça, de conquête de nouveaux territoires, et mon réseau à moi et les réseaux de mes partenaires, parce qu'il est clair que des gens comme nous, gens comme Finance Innovation, enfin tous les gens que vous pouvez avoir dans votre réseau, Layton, la BPI, les réseaux des chambres de commerce, tout ça, ça représente des quantités d'acteurs. Il est vraiment très important, et on l'a vu de maintes et maintes fois, que chacun d'entre nous, on sous-estime la potentialité de ce réseau et la puissance de ce réseau pour soutenir une stratégie. Donc, quand je fais ma stratégie, quand je réfléchis sur mes compétences et sur mes savoir-faire, j'y réfléchis en parallèle sur mon réseau, la force de mon réseau, ses faiblesses, et sur ses faiblesses, où est-ce que je peux aller chercher les éléments pour le renforcer dans les différents partenaires et réseaux que j'ai autour de moi. Donc, vous voyez, on combine ces deux dimensions internes, externes, qui permettent d'avancer. Et dernier volet, effectivement, qui est important pour pouvoir faire tout ça, c'est comment je finance mon opération, quoi, parce que la problématique, elle est aussi une problème de ressources clés pour pouvoir avancer et avancer à risque mesuré. Donc, pour ça, il y a effectivement la logique de mon business model, la logique de comment je vais me rémunérer par la suite, quels sont les budgets et la durée que je me mets pour pouvoir aller sur le terrain. Sauf que
Lors dans cette réflexion-là, on peut accéder à de multiples possibilités de financement à travers des alliances si on fait une JV de manière capitalistique, donc avec un acteur du territoire, à travers de l'endettement. Et donc tout ça, c'est un fort enjeu. Donc il est important par rapport aux éléments précédents de réfléchir aux différentes options, d'avoir différents axes possibles, de prendre le temps de cette réflexion. D'où, un sujet extrêmement clé pour la réussite, c'est les dispositifs de soutien. Et ça, je vais passer la main à Mathieu tout de suite, c'est lui qui va vous les détailler. Ces dispositifs de soutien, ils sont clés aujourd'hui parce que en France, on a quand même un site qui sont à disposition. Et il faut savoir en profiter, parce que cette complexité, compétences, réseau et le dispositif de mon financement global nécessitent du temps et une réflexion itérative. Et donc, pour financer ces dispositifs-là, il y a un certain nombre d'outils. Et je passe la main à Mathieu en retour pour qu'il continue de nous expliquer tout ça dans les détails. Merci Pascal. Du coup, sur l'idée là, en fait, c'est en effet de vous présenter les quelques dispositifs donc parmi tout le panel des dispositifs existants, parce qu'ils sont nombreux. C'est vraiment, on a pris le choix de mettre l'accent sur les dispositifs qui vont faire l'actualité. Sachant que, comme vous pouvez le voir au préalable, en effet, hein, la plupart des, on va dire, des néo-exportateurs considèrent que parmi les freins à l'export, la partie moyen financier et la partie moyen humain, ce sont deux freins, on va dire, prépondérants ou essentiels ou les plus limitants pour aller à l'international. Et justement, les dispositifs que l'on va aborder là vous permettent d'avoir les moyens financiers pour les démarches de prospection, mais également pour recruter des nouvelles compétences pour aller à l'international. Alors, les dispositifs qui vont être abordés, ça va être l'assurance prospection, l'échec relance, notamment, et principalement, donc, ce sont les principaux dispositifs que je vais aborder aujourd'hui avec vous. Sur l'assurance prospection, alors, c'est un dispositif d'actualité, alors, c'est un dispositif historique, hein, qui est d'actualité parce que c'est un des outils mis en place, notamment dans le cadre du plan de relance, donc par l'État, pour aider les entreprises à relancer ou à la reprise économique et notamment au travers de l'export. Et ils ont pour objectif de financer chaque année plus de 1 600 entreprises via l'assurance prospection, donc des objectifs ambitieux. Et ce dispositif-là, qu'est-ce qu'il va vous permettre ? Il va vous permettre de vous donner les moyens financiers d'aller à l'international. Et comment ? Tout simplement en vous finançant à hauteur de 2/3, précisément en fait c'est 65% de vos dépenses de prospection sous la forme d'une avance. Je vous expliquerai le fonctionnement par la suite. Si on regarde plus le fonctionnement, comment ça se passe ? Du coup, finalement, l'aide que vous allez recevoir, donc c'est une avance qui va couvrir jusqu'à 65% de vos dépenses de prospection. On verra qu'est-ce qui est pris en compte dedans. Hein. Et ce qui est intéressant, notamment dans le cadre du plan de relance, c'est que cette aide-là, les 65%, ils sont versés à hauteur de 70%, donc en majorité, au moment de la signature du contrat avec votre financeur qui va être BPI France. Donc, vous avez vraiment un apport en trésorerie avant même de commencer à initier vos dépenses. Donc, c'est vraiment, on va dire, impactant pour votre capacité à financer vos activités de prospection. Ce dispositif, il va fonctionner selon, on va dire, des périodes définies. Donc, on parle de la période de prospection. Donc, c'est la période dans laquelle, enfin, pendant laquelle vous allez pouvoir mener vos démarches. Donc, vous pouvez avoir une période de prospection qui dure de 2 à 4 ans, donc c'est assez flexible. Par la suite, il y a obligatoirement une période de franchise. Finalement, c'est là où vous allez... donc, c'est une période qui est fixée à 2 ans. C'est la période pendant laquelle vous allez justement continuer vos démarches et on va dire, bénéficier du fruit de votre démarche de prospection pour réaliser des chiffres d'affaires et aller vers le succès. Et après, par la suite, il y a une période de remboursement, parce qu'on parle évidemment d'une avance... et pas d'une subvention. Et cette période de remboursement, elle va être échelonnée sur 3 ou 4 ans, mais selon la durée finalement de votre période de prospection et de franchise.
Donc, ce qui fait que finalement, bien que ce soit une avance, c'est une avance dont le remboursement est vraiment différé à 4 ans, voire 6 ans actuellement. Donc, on va dire c'est différé à long terme. Et autre point important, c'est que c'est une avance que vous devez rembourser, mais le remboursement se fait uniquement en cas de succès. Et si jamais, donc on va revenir par la suite sur qu'est-ce qu'on appelle le succès, mais si jamais finalement vous êtes sur un échec commercial, ce qui peut arriver, et finalement le remboursement est limité à 30% du montant de l'avance. Donc finalement le risque est quand même couvert en grande partie par Bpifrance. Et ça veut dire que dans ce cas-là, ben, les 70% de l'avance que vous avez reçue vont se transformer en subvention. Alors là, c'est un petit schéma qui veut résumer ce dispositif et les différentes périodes. Vous voyez sur la partie haute, les trois périodes dont je vous ai parlé, hein, la partie prospection. Donc concrètement, en bas, vous voyez donc les différentes étapes. Hein. Si on prend le T0, c'est le démarrage de votre période de prospection. C'est là où vous allez signer votre contrat avec Bpifrance. Et c'est là où finalement les dépenses de prospection, que l'on va voir par la suite, hein, vont commencer à être éligibles au financement. Et comme je vous le disais, c'est à ce moment-là, à la signature du contrat, que vous allez recevoir 70% du versement de l'aide dans le cadre du plan de relance. La période de prospection, elle dure 2 ans ici, mais elle peut durer jusqu'à 4 ans, comme on l'a vu précédemment. Et le solde finalement de l'aide, les 30% restants, vous seront versés à l'issue de cette période de prospection-là. Par la suite, il y a une période de franchise, justement, qui vous permet de continuer à déployer votre activité. Et là, ce qui va être regardé, c'est le chiffre d'affaires export, c'est-à-dire le chiffre d'affaires que vous avez pu réaliser dans la zone de garantie. Donc, c'est la zone définie avec Bpifrance en amont, hein, la zone de prospection que vous avez définie dans votre dossier d'assurance prospection. Donc, on peut cibler jusqu'à 15 pays hein, en pratique, enfin, en théorie, mais en pratique, on est plutôt entre 3 et 5 pays. C'est difficile d'aller prospecter sur plus de pays en parallèle. Et donc, finalement, ce qui va être regardé en termes de chiffre d'affaires export, c'est le chiffre d'affaires que vous allez réaliser pendant la période de prospection et pendant la période de franchise. Du coup, dans le cas ici, ça va faire sur les 4 années. Et vous regardez le montant total de votre chiffre d'affaires export. Et finalement, ils vont regarder dans quelle situation vous êtes. Est-ce que vous êtes en situation d'échec? Ça veut dire que dans ce cas-là, c'est lorsque le chiffre d'affaires que vous avez réalisé est inférieur à 3 fois le montant de l'avance reçue. Donc là, vous êtes une situation d'échec. Dans ce cas-là, vous allez rembourser uniquement les 30% de l'aide reçue. Si vous êtes dans un succès partiel, c'est quand vous êtes entre un chiffre d'affaires qui est situé au-delà de 3 fois le montant de l'avance reçue et moins de 10 fois le montant de l'avance reçue. Donc là, vous êtes dans un succès, on va dire, modéré partiel. Et donc là, vous allez rembourser 10% de votre chiffre d'affaires export. Donc dans votre cas ici, typiquement, ça va être 50 000 euros à rembourser. Sachant que dans tous les cas, vous allez être plafonné, le remboursement est plafonné au montant de l'avance que vous avez reçue. Donc ça veut dire que même si vous êtes dans un succès total, c'est-à-dire que votre chiffre d'affaires export réalisé est supérieur à 10 fois le montant de l'avance reçue, donc c'est un vrai succès, et donc tant mieux pour vous finalement, mais finalement, le montant de l'avance ne va pas être 10% du chiffre d'affaires export, hein, qui peut faire des sommes assez conséquentes, mais va être plafonné au montant, le montant du remboursement va être plafonné au montant de l'avance reçue. Voilà. Et là, la période de remboursement, vous voyez, elle est jalonnée avec une première année pour rembourser le remboursement minimum, hein, les 30%, et le solde restant à rembourser, ça peut se faire sur plusieurs années, 3 à 4 ans au maximum. Donc, c'est vraiment un dispositif qui est très avantageux en termes d'avance de trésorerie et aussi de couverture des risques pour vous, finalement. Alors, les critères d'éligibilité à retenir, enfin, à avoir en tête. Donc, finalement, c'est un dispositif qui est vraiment ouvert à de nombreuses entreprises, tant que vous avez une activité commerciale, industrielle ou de service. Alors, sont exclus, évidemment, les activités de négoce pure. Il faut avoir une santé économique bonne, entre guillemets, hein. Évidemment, avant de penser à l'international, déjà s'assurer d'avoir une activité économique saine. Et donc, concrètement, ça veut dire disposer de fonds propres positifs, avoir un résultat net positif ou à l'équilibre. Il faut, à minima, aussi avoir un minimum d'historique en termes d'activité, un minimum bilan clos.
Et en termes d'activité, d'entreprise éligible, donc toutes entreprises sont éligibles en termes de statut, ça peut être c'est vraiment large. Et en termes de catégorie d'acteurs, ça peut aller jusqu'aux ETI, qui réalisent jusqu'à 500 millions d'euros de chiffre d'affaires aussi, et tout comme les jeunes startups également, à condition de respecter les critères que j'ai énoncés là. Il y a un autre critère qui n'est pas évoqué là aussi, il faut que dans votre chiffre d'affaires, la part française représente à minima 20%. Donc, c'est-à-dire quelle est la part de la plus-value réalisée en France finalement. Donc, c'est typiquement, voilà, si vous vendez des produits mais que vous les fabriquez à l'étranger, ça peut impacter votre part de chiffre d'affaires, enfin de la part française telle que définie par le Trésor public. Alors, en termes d'activité ou de dépenses éligibles, donc l'idée c'est de financer vos dépenses de prospection. Et là, vous voyez la liste des dépenses éligibles. Vous voyez qu'elle est vaste, mais concrètement, quasiment toutes vos dépenses vont être éligibles sur la période donnée et sur le périmètre donné, c'est-à-dire les pays que vous allez définir dans votre demande de financement. Et donc, vous pouvez faire financer les déplacements, les hébergements, la rémunération du personnel également, le recrutement de personnes dédiées à l'export. La participation à des salons, les activités de conseil, même les activités, on va dire, les frais de fonctionnement de vos filiales ou de vos bureaux de commercialisation sont éligibles aussi. Parallèlement, si vous devez adapter vos produits d'un point de vue réglementaire, vous apporter des modifications pour pouvoir adresser ces nouveaux marchés, ces frais-là sont également éligibles. Donc, vous voyez que le champ des possibles est vraiment large et les financeurs ont voulu justement pouvoir répondre à tous les besoins financiers, que ce soit à la voie réglementaire, d'accompagnement, conseil et en recrutement aussi, que rencontrent les entreprises lorsqu'elles souhaitent aller à l'international. Donc voilà pour le dispositif de l'assurance prospection. Je vais passer plus rapidement sur trois autres dispositifs qui peuvent être complémentaires. Alors, et qui font également l'actualité, c'est l'assurance prospection accompagnement, les chèques relance VIE, chèques relance export. Alors, l'assurance prospection accompagnement, c'est un peu la petite sœur, si je m'exprime ainsi, de l'assurance prospection. Donc, c'est un nouveau dispositif qui va, lui, cibler spécifiquement les TPE et les PME qui sont primo ou faiblement exportatrices, c'est-à-dire qui font moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'international. Donc, ça peut très concrètement vous concerner. Et l'idée là, c'est de financer les premières démarches à l'international. Donc, on n'est pas forcément sur des montants de dépenses. Alors, sur l'assurance prospection que j'ai présentée précédemment, les budgets moyens, on est à peu près entre 250 et 500 000 euros de budget de dépenses retenu. Là, le budget maximal, il est limité à 40 000 euros. L'idée, c'est vraiment, on va dire, de financer les dépenses préalables à la prospection à l'international. Donc, ça va comprendre la définition et la mise en place d'un plan d'action et la réalisation d'un plan d'action. Et il faut passer par des conseils agréés pour pouvoir, on va dire, que ces dépenses-là soient éligibles, notamment l'aspect définition du plan d'action, c'est-à-dire bon, mais quel marché je veux adresser? Est-ce que il faut faire un diagnostic? Est-ce que finalement je suis suffisamment mature? Quels sont mes leviers d'action et sur quel marché, par exemple, et quel plan d'action mettre en place sur ces marchés-là. Et donc, concrètement, comme je vous disais, les budgets éligibles seront limités à 40 000 euros, mais ça vous permet justement de faire financer ces prestations de conseil agréés, des études de marché également, la participation à des manifestations internationales, à des salons, hein, et des déplacements et des séjours. Donc, dans la limite de 40 000 euros, le taux d'aide, c'est comme sur l'assurance prospection, on est à 65%. Et le fonctionnement est très similaire. On va retrouver ces trois périodes-là, la partie prospection qui est limitée à 2 ans, la partie franchise de 2 ans et la partie remboursement sur 3 ans. Et on retrouve également les mêmes principes sur les remboursements, c'est-à-dire à 30% dans le pire des cas si c'est un échec et 100% si c'est un succès total. Donc, c'est à avoir en tête ce dispositif-là pour initier vos démarches internationales également. Deux autres dispositifs qui font l'actualité, qui sont mis en place dans le cadre du plan de relance. Donc, il y a le chèque relance VIE,
qui va cibler les PME d'ETI. L'idée étant, là, c'est soit de mettre en place ou de prolonger une mission VIE à minima de 12 mois. Donc, c'est une aide forfaitaire, on est sur des montants de 5 000 euros. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la région peut abonder cette enveloppe-là. Par contre, vous allez être limité à 2 chèques relance par entreprise. Donc là, ce sont des aides à utiliser avant la fin de l'année, avant le 1er décembre. L'autre chèque relance qui fait l'actualité, qui peut vous aider dans vos démarches à l'international, c'est le chèque relance export. Pareil, qui cible les mêmes acteurs, PME et ETI. Prend en compte 50% des dépenses éligibles avec certains plafonds. Alors, plafonné à 2000 euros si on parle d'accompagnement individuel. Donc là, ça va être tout ce qui est audit et diagnostic, évidemment, structuration de la stratégie, tout ce qu'évoquait finalement Pascal au préalable. Aussi, comment prioriser ses marchés, la prospection individuelle, etc. Donc, tout ça, ça va être limité sur les accompagnements individuels à 2000 euros. Si on est sur des accompagnements, des prestations d'accompagnement collectif, dans ce cas-là, le plafond va être à 1500 euros par entreprise. Donc, accompagnement collectif, c'est-à-dire des accompagnements qui vont concerner plusieurs entreprises qui peuvent être liées ou pas entre elles. Et l'idée étant de promouvoir leurs produits à l'international. Et il y a également un plafond de 2500 euros pour la participation sur des salons à l'étranger, ça, avec un pavillon France. Donc là, également, c'est un dispositif qui se clôture sur le mois de décembre. Donc, opportunité à saisir d'ici la fin de l'année si vous êtes concerné. Une autre façon aussi de raisonner international. Donc là, les dispositifs que je vous ai présentés en amont, c'était des dispositifs purement dédié soit au recrutement, soit à la prospection commerciale. Une autre façon aussi d'aller à l'international, c'est peut-être de nouer des partenariats R&D avec des acteurs dans les pays ciblés. Donc, c'est-à-dire de travailler une collaboration sur les démarches amont, avant même que le produit soit prêt à commercialiser. Alors là, il y a tout un tas de dispositifs qui existent. Je vais en citer deux qui sont connus au niveau européen. C'est Eurostar, c'est un dispositif qui est dédié aux TPE, aux PME innovantes. Hein, donc, c'est vraiment, ils vont cibler des nouveaux produits innovants et qui développent un produit en collaboration, du coup, entre deux pays. On parle de pays européens essentiellement, les pays membres ORECA, donc 35 pays à peu près, l'Europe et quelques autres pays comme le Canada, l'Israël, etc. Et donc, finalement, pour candidater, il faut nouer un partenariat avec une autre PME, préférentiellement, de ces pays membres-là. Et ça va cibler des pays de développement R&D sur des projets innovants, des projets qui vont être limités à 3 ans en termes de durée de développement. Ce qui est intéressant pour les entreprises ou les PME françaises, c'est qu'elles vont être financées à hauteur de 40% de leurs dépenses éligibles. Donc, on parle là des dépenses de R&D et sous forme de subventions. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Et que c'est un dispositif, alors c'est un concours européen, donc qui est sélectif, mais on va dire qu'il reste accessible, puisqu'on a un taux de succès à peu près de 1 sur 3 au niveau français, donc on va dire que c'est des taux de succès somme toute honorables. Et c'est un dispositif qui est reconduit chaque année, donc là on est en attente, donc il y a 2 sessions par an en général, au premier trimestre et au dernier trimestre, donc là on est en attente de la session à venir sur fin de l'année. Dans la même logique, il y a des partenariats spécifiques qui ont été mis en place entre la France et d'autres, certains pays. Donc, il y a le France-Canada, il y a aussi le France-Espagne, qui va cibler, pareil, des projets en collaboration entre les deux pays. Ça va adresser soit les PME ou les ETI. C'est très similaire à l'Eurostar en termes de philosophie, en termes de durée de projet. Là, le financement, c'est 50% qui est financé, donc les taux d'intervention plus intéressants. Après, la forme de financement, ça peut être soit du prêt à taux zéro, soit de l'avance remboursable. Voilà, et les taux de succès sont plutôt très bons, plus élevés. Et là, on attend une nouvelle session pour début d'année prochaine. Donc, voilà un peu pour le panel des aides possibles. Donc, vous avez compris, vous allez avoir un volet vraiment dédié, prospection, démarche commerciale. Un volet aussi, et qui peut couvrir aussi en partie le recrutement. Et vous avez aussi un volet, pourquoi pas, penser à la R&D en partenariat dans des pays ciblés, notamment l'Espagne. C'est aussi une des façons pour vous de mettre un pied à l'étrier dans ces nouveaux pays. Voilà, je passe la parole du coup, je pense à notre agent Claude, pour aborder, ou à Pascal, les différents exemples. Oui, merci Mathieu. Effectivement, à travers tout ce qui vient d'être dit, maintenant, ce qu'on va
faire, c'est vous illustrer à travers deux exemples. Je vais en présenter un et Jean-Claude va en présenter un second. Exemple très, très divers, mais qui peut vous permettre de réfléchir à l'applicabilité, on va dire, dans votre contexte et aussi par rapport à toutes les informations que vous avez eues jusqu'à présent, la mécanique de réflexion à mettre en œuvre au regard de ces exemples-là. Alors, le premier exemple que on va détailler, ça concerne une entreprise de cybersécurité. Donc, on va la prendre. Pardon, excusez-moi de clarifier mes choses. On va la prendre entre deux périodes longues. C'est pour ça qu'on a choisi cet exemple-là. C'est que démarré en 2012-2013 et donc ça permet de voir entre le début de l'action et 5-6 ans après le résultat et ce que cette action elle a généré. Donc cette entreprise SCASI, si on la détaille à la situation de 2015, en 2015 c'était une toute petite structure. Vous voyez, donc il y avait tout juste 15 employés qui étaient en fait le dirigeant, une assistante et après un panel d'ingénieurs spécialistes en cybersécurité. L'entreprise basée dans le périmètre toulousain avait comme client quelques industriels du secteur aéronautique, vous pouvez l'imaginer, donc aéronautique et spatiale, donc Airbus en l'occurrence, le CNES, le Centre National d'Études Spatiales, et des établissements bancaires, parce qu'il y a des gros centres informatiques de banques qui se trouvent dans la banlieue toulousaine qui étaient clients. Donc, petite entreprise avec un niveau de valeur ajoutée extrêmement fort et une couverture géographique, j'allais dire, très toulouso-toulousaine, en gros à 25 km à la ronde, point barre. Alors, vous allez me poser la question, pourquoi est-ce qu'en fait une entreprise de cette taille-là, avec un bassin de chalandise, de clientèle en proximité comme ça, est venu poser la question de l'export. La question, elle est pleine et entière, et on va y venir. Mais on n'a pas abordé le sujet par l'aspect export au départ. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, les compétences, mon savoir-faire, les enjeux de l'entreprise, qu'est-ce qui se passe? Et cette entreprise-là, elle avait un souci majeur, c'est-à-dire que même si elle était bien gérée, dans ce sujet de cybersécurité, elle était dans une logique de pure prestation de service. Donc, qui dit pure prestation de service, vous savez, c'est voilà, je revends un produit avec de la récurrence, c'est que je vends, c'est one shot, c'est une prestation. Après, il faut que je cours aller en trouver une autre. Donc, toujours une problématique assez compliquée à gérer là-dessus. Une concurrence extrêmement forte parce que en étant sur un bassin très technologique comme tous les secteurs autour de l'aéronautique en proximité, il y a des gros acteurs sur le sujet. Donc, en même temps, une pression sur les coûts très importante avec une rentabilité un peu juste, parce qu'on sortait 5% de résultats par rapport à son chiffre d'affaires, donc c'est pas très riche, hein, c'est rentable, pour reprendre un des critères que citait Mathieu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'a pas de problème de propreté des comptes, mais voilà, une rentabilité, une capacité de financement quand même très très relative. Autre problématique, le turnover, c'est-à-dire que ces collaborateurs ayant été en délégation temps plein beaucoup chez les grands clients, ben ils se retrouvaient débauchés, quoi. C'est sûr que un jeune ingénieur qui passait 2-3 ans chez SCASI, qu'on a sous le coup Airbus, avec ce que ça peut vouloir dire en termes de perspectives futures, de comité d'entreprise et tout ça, proposer d'embaucher la personne. Voilà. Donc les jeunes, donc il y a un turnover très très important. Et en plus, l'autre côté, Airbus commençait à mettre la pression sur SCASI en disant bon, vous êtes effectivement très bon, mais vous êtes très centré toulousain et vous savez que Airbus est une entreprise européenne. Et quand on parle de cybersécurité, on parle de réseau d'interconnexion entre les sites et comment vous êtes capable d'intervenir à Hambourg, à Séville, et voilà. Donc, en jeu d'une certaine complexité.
par rapport à cette situation et un dirigeant. Bon, l'entreprise à l'époque, elle avait 5 ans, hein, donc elle avait été créée en 2010. Donc, ce qui veut dire que bon, il commençait à avoir une certaine lassitude et une certaine fatigue parce que il y avait un palier qui n'était pas passé et on se rendait bien compte que le palier, il était lié aussi à une dimension de l'entreprise. Donc, quand on analysait cette logique de savoir-faire et de compétences par rapport à la situation du moment et la pression que des acteurs comme Airbus aussi mettaient sur une dimension internationale, on s'est dit, il n'y a pas beaucoup d'options possibles, monsieur le dirigeant, enfin Laurent, il s'appelle en l'occurrence, donc Gilles Laurent, c'est très simple. Soit tu as fait une belle opération jusqu'à aujourd'hui et ça va intéresser un grand compte autre de racheter ta structure et d'en faire une agence locale. Soit tu veux la garder, et là par contre il faut passer un cap très important, et qu'est-ce que l'on peut imaginer faire? Et on a commencé à creuser, deuxième volet de ce que je vous expliquais tout à l'heure, le réseau. Qu'est-ce que j'ai en réseau comme proximité? Je lui dis simplement, il intervenait dans les circuits universitaires, un peu mettre en avant. Et donc la logique de cette action lui a permis de se dire, j'ai un réseau en Espagne, ah oui, c'est vrai que les gens avec lesquels j'ai fait des actions universitaires et de la recherche sur mes aspects de carte et de sécurité de carte, c'est tout à fait quelque chose d'accessible. Donc, dans cette problématique-là, on a pu poser les choses. On a pu poser les choses en se disant, j'ai un réseau, je peux aller en Espagne, je peux aller aussi en Angleterre parce que je sais faire des sujets, j'ai un savoir-faire, mais comment tout ça, je peux garder mon personnel, je peux capitaliser sur les expertises, je peux ouvrir sur des nouveaux marchés. Donc ça, c'est un élément qu'on a cherché à travailler pour trouver le financement, parce que on commençait à avoir les pistes en se disant, bon voilà, en Espagne, en Angleterre, donc en l'occurrence, on verra, c'est à Valence, je peux trouver les financements. Et là, il y a un volet qui est apparu très important, c'est le côté du R&D que soulevait un petit peu tout à l'heure Mathieu. C'est que on a regardé un certain nombre d'outils. Mathieu en a un qui s'appelle l'Eurostar, mais il y en a aussi d'autres, et en l'occurrence, on en a utilisé un autre. De se dire, il y a un problème de capitalisation d'expertise. Quand on a discuté dans le réseau, il y a des acteurs, et en particulier l'Université Polytechnique de Valence, avec un ami qui avait fait sa thèse avec moi il y a X années. Tiens, on pourrait travailler ensemble pour mettre en place un dispositif de captation de l'expertise de tous mes collaborateurs qui sont sur le terrain, pour me permettre à moi en interne d'avoir du personnel qui se forme plus vite, de capitaliser sur mon savoir-faire et de fait de le faire dans une approche franco-espagnole. Quand on commence à regarder ça, c'est comment on finance cette opération. Donc on est allé chercher des financements auprès de l'Europe, et l'Europe a financé sur un projet en gros de 300 000 euros en subvention à 70% l'accompagnement de cette mise en place de pratiques et de bonnes pratiques sur une dimension franco pour l'aspect cybersécurité. Donc imaginez l'effet de levier soudain, c'est-à-dire que ça a permis de bâtir un projet collaboratif sur une modélisation des savoir-faire et donc de faire quelque chose en partenariat avec Valence. Mais qui voulait dire en partenariat avec Valence, c'est non seulement on a partagé du savoir-faire, bon, avec un acteur qui n'est pas concurrent avec nous, et qui au contraire amène encore plus d'intelligence dans le dispositif, nous amène une dimension géographique, parce que de fait, on a une base qui commence à s'installer sur le territoire espagnol, parce que on va utiliser le réseau de mon partenaire espagnol aussi, qui m'a ouvert sur le monde de la cybersécurité en Espagne, les réseaux des acteurs, les organismes normatifs, et donc a commencé à faire légitimer mon organisation, et donc a permis de fait de structurer toute une démarche métier dans une approche franco-espagnole, et tout ça sur une plateforme de e-learning. Donc, vous voyez que le contexte, c'est qu'aujourd'hui, cette entreprise, elle a passé un cap. Donc, vous voyez, si on parle de chiffres, là, aujourd'hui, à fin 2019, quand même, 50 employés aujourd'hui. Donc, on est passé d'un dispositif purement prestataire de services, 15 personnes à Toulouse, à
un dispositif qui va être de 50 personnes sur deux pays, mais pas seulement. C'est-à-dire que l'outil qui a été développé en collaboration entre l'Université Polytechnique de Valence et l'entreprise SCASI à Toulouse a permis de construire un outil de capitalisation de savoir-faire qui a aussi intéressé d'autres acteurs. Le CNES dont je vous parlais tout à l'heure, qui est devenu client de cet outil-là, qui dit « Ah, ben, c'est super, moi je peux aussi le faire ». Donc l'entreprise SCASI, si vous allez ensuite voir sur son site, vous verrez qu'il y a maintenant une filiale, une entité qui s'appelle Phosphoria, qui est une plateforme de e-learning qui est utilisée par un certain nombre de clients, le CNES d'un côté, et je sais que l'année dernière, ils ont également signé avec l'établissement français du sang, en partant du fait que un apprentissage de la gestion du risque, que ce soit dans le domaine purement informatique ou dans le domaine de la santé, soit un peu équivalent. Donc cette opportunité, vous voyez, de collaboration France-Espagnole, ça a permis deux choses. Un, l'ouverture d'un centre de R&D à Valence. Deux, un bureau commercial à Madrid aujourd'hui avec 6 personnes, donc des affaires qui y sont associées. Et puis, un début sur international aussi autour d'une plateforme d'outils de ce fait-là, on fait sérieusement monter la rentabilité de la structure parce qu'on n'est plus dans une pure logique de service. Donc toute cette démarche de l'entreprise a permis aussi, je le sais parce que j'ai eu le dirigeant de l'entreprise, de faire que le temps moyen en fait d'un collaborateur en 2015 dans son entreprise, il était deux ans et demi, quoi. Il avait un turnover, beaucoup, enfin, il avait un tiers des gens qui partaient avant 2 ans parce qu'ils rentraient dans les grands comptes. Aujourd'hui, ils sont là depuis le tout début et son turnover, il a divisé par 2. Parce que de ce fait-là, il y a un modèle qui est beaucoup plus orienté sur de la construction de produits et sur un sentiment d'appartenance. Et puis dernièrement, juste pour la petite anecdote, il est tellement devenu visible sur une capacité internationale que le GIE Vise International l'a envoyé au Montana, aux États-Unis, pour faire les audits de sécurité du data center de Vise International qui se trouve là-bas. Donc on voit là, dans ce qu'on voulait, que la réflexion du savoir-faire, des problématiques, des enjeux auxquels j'ai affaire, et de la combinaison des réseaux, parce que là, on a combiné à la fois le réseau d'un partenaire potentiel via ce qui est identifié à Valence en Espagne, et lui a permis d'ouvrir sur une géographie, grâce au réseau de l'Université de Valence, et d'ouvrir sur de nouvelles offres qui sont sorties de cette combinaison de partenariats. Donc là, alors c'est très intéressant. Alors le défaut, je dirais, une démarche classique où je vais faire l'ouverture d'un bureau, c'est qu'on est quand même sur un temps un peu plus long. Hein, vous avez vu, on est parti d'un 2015 à 2019, donc on est quand même sur un cycle de 4 ans. Mais on est sur un cycle de 4 ans qui, globalement, a eu un coût induit pour l'entreprise extrêmement modeste parce que ça s'est construit sur des bases solides sur la durée et avec un apport, certes d'endettement, parce qu'il a dû faire aussi du financement en propre de son côté, mais une part de soutien en subvention qui a été particulièrement significative. Donc voilà pour notre premier exemple qui est très centré sur cet aspect-là. Et ensuite, on va partager le deuxième exemple avec Jean-Claude, qui d'ailleurs tu vois qui n'est pas sur cette présentation-là. Non, c'est pas grave. Je vais l'afficher, Jean-Claude, comme ça, parce que tu vas pouvoir le... Bonjour, pendant que Pascal cherche la présentation, Jean-Claude Verdier, donc moi je suis un petit peu, même si ça paraît prétentieux, le local de l'étape, puisque je suis à Barcelone depuis 25 ans, mais également sur le reste de l'Espagne, puisque je travaille comme business developer pour une entreprise française, donc je continue à faire la prospection, à cultiver mon réseau et à visiter des usines. Et je voudrais aujourd'hui vous présenter un exemple qui est une espèce de contre-exemple, dans le sens où il va illustrer un petit peu comment ça peut se passer si on ne prend pas un certain nombre de précautions. Le marché espagnol, vu de la France et vu, on va dire, de l'autre côté des Pyrénées, hein, puisque on a des villes qui sont pratiquement frontalières. Toulouse, ils se considèrent comme voisins, Montpellier, le Pays Basque. Donc, on a tout un
un ensemble de régions qui longent la chaîne pyrénéenne, sauf malheureusement le manque d'accès à Saragosse. Mais sur les deux points d'entrée principaux que sont le Pays Basque et la Catalogne, on a un petit peu tendance à penser que il suffit de traverser. Aujourd'hui, il n'y a même plus de frontières, on passe sans s'en rendre compte. Et puis, c'est aussi facile que ça. Bon, dans la pratique, et cet exemple va le démontrer, c'est un petit peu plus complexe. Et il y a un certain nombre de choses à prendre en compte, notamment des cultures de marché et des spécificités pays. L'exemple que je vais vous présenter, c'est une entreprise qui est née dans le sud-ouest, donc qui justement a cette culture, on va dire, de voisins, qui a maintenant 32 ans, 600 personnes, 64 magasins, 4000 références. C'est une enseigne, une franchise spécialisée dans la distribution de produits pour le second œuvre. Donc là, on va rentrer dans un aspect très pragmatique. On a parlé beaucoup de finances, d'aide, d'accompagnement. Moi, je vais simplement vous parler de ce qu'on sait faire et ce qu'on peut vous aider à faire et ce qu'on peut peut-être vous éviter de faire. J'ai donc réalisé pour cette entreprise, après avoir été invité par le CODIR sur une réflexion, à une étude de faisabilité en vue de l'implantation de cette franchise en Espagne. C'était à l'initiative d'un des franchisseurs fondateurs qui s'est dit « je ne suis pas très loin, pourquoi j'ai plusieurs magasins dans le sud-ouest, pourquoi je n'en aurais pas de l'autre côté de la frontière ?» Pas de problème de communication, les transports ne coûtaient pas cher, on passait même camion, on pouvait faire sa tournée, on était dans une logique très pragmatique. Tout allait bien. Mais au niveau du CODIR, ils se sont quand même posé un certain nombre de questions et m'ont demandé de vérifier la validité du modèle de franchise de l'enseigne sur le marché espagnol. Et surtout, dans une réflexion très pragmatique, s'assurer de la compatibilité des gammes de produits sur le marché espagnol et au passage, ça ne coûtait pas plus cher de trouver du sourcing. Donc, on a finalement décidé qu'on se limiterait à une zone de chalandise, toujours par rapport à ces tournées camions. Vous voyez qu'on est rentré vraiment dans le détail, dans l'opérationnel. On a considéré que sur l'axe Gérone-Tarragone, le camion, un semi-remorque qui fasse 100 km de plus ou de moins, ça n'avait pas d'incidence. Donc, j'ai repris les critères utilisé en France pour le recrutement de franchiseurs. C'est une expérience dans le secteur de la menuiserie, de la cuisine, un chiffre d'affaires facturé d'1,5 million, un volume d'achat au moins de 750 KE, une bonne solvabilité 3% après impôt, un niveau de fonds propre correct 350 KE, et surtout une bonne moralité des dirigeants, puisqu'il s'agit quand même de franchises limitées, puisque 64 magasins, ça fait une 25 franchisés, pardon, donc ça reste une affaire un petit peu entre personnes de bonne convivialité. Donc, au niveau des gammes travaillées, on a travaillé sur les gammes cibles du modèle pour dire, effectivement, qu'est-ce qu'on sait vendre, où est notre cœur de métier et comment on va pouvoir le proposer en Espagne. Donc, la première démarche que j'ai effectuée, ça a été de passer plusieurs jours dans deux enseignes qui avaient été choisies pour avoir des profils tout à fait différents, de façon à pouvoir couvrir l'intégralité de la gamme et être en mesure de détecter les produits similaires ou les produits ressemblants. Donc, on avait défini un certain nombre de produits, une dizaine de produits cibles, et j'aurais donc proposé un plan d'action qui incorporait bien sûr une étude de faisabilité, l'élaboration des outils et l'étude locale, un sondage de prospects adhérents et effectivement une recherche de sourcing sur certains produits. En fait, dans le développement, il s'agissait d'analyser le marché potentiel, voir s'il existait, s'il était là ou pas, faire une petite étude de positionnement de la concurrence, est-ce que les mêmes produits étaient au même prix et est-ce que ces produits étaient vraiment les mêmes. Et dans le cas échéant, une étude d'adaptabilité des produits de l'entreprise. Si j'ai un produit qui est adaptable à moindre frais, juste en mettant une étiquette, je la joue, sinon je réfléchis. Et en fait, une étude du concept de distribution du marché local, puisqu'on sait que la distribution est très différente, le modèle de distribution sont très différents d'un pays à l'autre. Donc,
il y a quand même une approche pragmatique qui est incontournable, c'est la traduction et l'adaptation des plaquettes de présentation, des brochures de vente, etc. Après, il y a aussi un dossier de candidature à valider dans le droit espagnol, puisque dans ce cas concret, la franchise ne fonctionne pas du tout de la même façon en Espagne qu'en France. Donc, il fallait repenser tous les éléments. C'était pas juste une traduction, c'était une adaptation. Et ensuite, faire une approche pour la recherche de distributeurs, en sachant que les systèmes, par exemple, COFAS, n'a pas la même incidence en Espagne qu'en France. Il vaut mieux s'adresser à MAFRE avec des entreprises locales qui ont une meilleure couverture, une meilleure connaissance du marché. Donc, on a défini tout ce périmètre, on a commencé à travailler. La recherche et la validation étant, bien entendu, toujours soumises au MOA, au maître d'ouvrage. Et l'objectif était de mettre en place 5 rendez-vous de test avec de possibles franchisés, pour pouvoir avoir une idée claire sur le modèle. Je vous passe un petit peu les détails, parce que bon, c'est un petit peu long, c'est une mission qui a duré 2 mois, pour être clair, et on a finalement organisé 5 rendez-vous avec un des membres du CODIR, qui chapurreaba, il se débrouillait un petit peu en espagnol, bon, je faisais le lien, il a pu visiter les magasins, il a pu se rendre compte par lui-même. Et je l'ai accompagné aussi pour du sourcing, en sachant que dans le sourcing, il y a le cahier des charges spécifique d'une MDD, pour cette enseigne. Il y a le cahier des charges qualité-prix, mais il y a aussi vérifier la solidité, la capacité de production de l'entreprise. Quand on change de fournisseur à ce niveau-là, sur une MDD, pas d'erreur possible. Donc, on a vu un certain nombre de produits, un certain nombre d'acteurs. Et on s'est rendu compte que, par exemple, si on prend un exemple sur quelque chose aussi bête qu'une porte intérieure, la porte que vous avez pour aller dans votre salle de bain ou pour aller dans votre cuisine, en France, elle va être essentiellement isoplane et économique. Elle va coûter au max 30-40 euros. En Espagne, ça va être une porte un petit peu sophistiquée qui va valoir entre 80 et 120 euros, qui va se poser avec un cadre chantier fini, et qui va être d'une qualité absolument supérieure à ce qu'on peut avoir sur le marché français. Donc là, on s'est rendu compte qu'il y a un certain nombre de choses qui, culturellement, n'avaient pas du tout le même poids. On a donc terminé cette étude et on a refait une réunion avec le CODIR sur lesquels on a travaillé 5 points. Ces 5 points, le premier, c'était que la conjoncture n'était toujours pas favorable à la prise de risque, ni pour l'enseigne, ni pour les éventuels associés, sauf à Sado, c'est un grand groupe, en fait, des gens qui cherchaient surtout à être rachetés et à conserver leur place, mais surtout que les 20-80 de leur gamme de produits n'avaient aucune valeur ajoutée sur le marché espagnol, voire même auraient dû être repensés pour ce marché ou, dans certains cas, être vendus posés, puisque c'est le système qui fonctionne en Espagne. Et se rendre compte aussi que certains produits, culturellement, n'existent pas sur le marché espagnol. Comme vous le savez tous, en Espagne, on a les persiennes. En France, on a une petite manivelle pour monter des sièges à persiennes. En Espagne, on a une sangle, on la tire déjà. Ce n'est pas la même pose, ce n'est pas du tout le même produit. Et en France, on est très adepte des volets. En Espagne, sauf sur la façade atlantique, ça n'existe pas. Voilà des petits exemples pour se rendre compte qu'il y a beaucoup de faux amis qui font que les marchés nous semblent très, très similaires, mais dans la pratique, les modèles peuvent être beaucoup plus éloignés de prévu. Il faut ajouter que les coûts induits d'implantation, c'est-à-dire tout ce qui était design, traduction de leur système informatique, par exemple, traduction de la publicité, certaines mises en conformité n'ont pas été prises en compte dans l'étude de départ, et en fait que les modèles, c'était la conclusion, c'est que les modèles, les canaux de distribution étaient beaucoup plus éloignés de leur modèle qu'initialement prévu. Bon, il faut savoir qu'une entreprise comme Lapeyre, que vous connaîtrez tous, n'a pas fait cette étude avant de s'implanter, a perdu de l'argent pendant 10 ans avant de fermer boutique. En Espagne, ils sont arrivés avec un concept Lapeyre qui fonctionne extrêmement bien en Espagne. Ils sont en France, ils sont arrivés beaucoup trop tôt en Espagne, le marché n'était pas prêt, ils se sont pris un gros bouillon. Tout Saint-Gobain qui soit. Donc, on peut voir aussi une enseigne comme Brico Dépôt, qui a aujourd'hui une très forte implantation en Espagne, mais qui a mesuré son développement en le faisant de façon test avec 2 magasins test qu'ils ont mis en place. Donc,
Pays Basque concrètement, et qu'ils ont développé et fait monter en puissance au fur et à mesure qu'ils adaptaient leur gamme et qu'ils pouvaient répondre aux demandes du marché. Voilà, des stratégies différentes qui ont été posées. Donc, dans le cas de cette enseigne, bah, évidemment, la première erreur, c'était de ne pas avoir considéré le marché espagnol, qui était un marché résidentiel non pavillonnaire. Hein, en France, le modèle d'habitat, c'est le pavillon. En Espagne, on est plutôt immeuble, ce qui diminue ipso facto le poids spécifique de certaines gammes de produits. Vous n'allez pas vendre beaucoup de portails dans un immeuble. Hein, et la part du bricolage ou du do-it-yourself en Espagne. Ben, la conclusion de cette étude, ben, vous l'avez compris, avec beaucoup de raisons, compte tenu du manque flagrant de synergie entre les deux marchés, le codir de cette enseigne a préféré un mode de développement moins onéreux, plus sécurisé pour eux puisqu'ils s'appuyaient sur la connaissance terrain qu'ils avaient. Ils ont donc renforcé le maillage de leur réseau en France et sont en train de se développer vers la Belgique francophone parce qu'ils restent sur un terrain connu, même langue. Et donc, le développement du réseau en Espagne a été abandonné. Je ne sais pas si ça sera repris ultérieurement, mais pour l'instant, voilà. Donc, ça peut paraître un contre-exemple, mais je pense que le peu qui a coûté la mission que j'ai effectuée a été d'une grande rentabilité pour eux. J'espère que cet exemple vous aura un petit peu donné une idée. Je vais repasser la parole à Pascal. Oui, merci Jean-Claude. Je pense que c'est effectivement, si on a choisi de parler de cet exemple-là, parce qu'il permet de bien mettre en évidence l'importance de cette phase amont qui peut justement être aussi soutenue et financée dans la réflexion du test marché. Parce que décider à un moment donné d'y aller ou de pas y aller, ou d'évaluer comment y aller, savoir si c'est le bon moment ou pas, constitue quand même un élément de la réussite vraiment très très déterminant. C'est vraiment, on est dans cette logique-là où il faut être certain par rapport à un état des lieux initial, des compétences, comme on avait dit, c'est-à-dire des équipes, de la potentialité de l'entreprise, des savoir-faire, du modèle économique aussi, comme le rappelait Jean-Claude à l'instant, de son adaptabilité, de sa transversabilité, et puis d'être ouvert à des schémas d'opportunités que ça peut représenter au-delà des modèles auxquels on peut penser. C'est-à-dire qu'on voit des cas où des gens pensent et on les accompagne dans cette logique-là. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai en tête un cas typique où une entreprise qu'on a accompagnée sur la Pologne y allait pour une chose donnée, et quand on l'avait un peu en disant vous restez très ouvert aux opportunités, fait que bah, il n'est pas, enfin le partenaire polonais identifié lui a proposé des choses qui sont complètement autres que ce qu'il avait pensé, mais qui permettaient de partager la marge entre un marché France et Russie auquel le français n'avait jamais pensé, mais que le polonais lui il pensait parce qu'il était beaucoup en Russie et que des choses à faire en France lui étaient compliquées, mais qu'avec un partenaire comme lui, il est prendre. Donc voilà, les opportunités, il faut les garder très ouvertes parce que c'est aussi en fonction des réseaux et des rencontres de personnes que l'on peut faire dans ces réseaux où les choses se construisent, comme l'exemple de Scassi avec l'Université de Valence. Ça, c'est un point très très clair. Et dernier point, avant de redonner la main à Gisèle en conclusion, c'est que il faut bien se dire que il faut rester. Avoir des certitudes, c'est une chose, mais être prêt à les faire bouger. L'exemple que donnait Jean-Claude à l'instant sur la différence sur le marché entre ce que Bricoman a fait ou Brico Dépôt a mis des magasins tests pour voir ce que ça pouvait donner et de voir comment il devait adapter son modèle sur le lieu, ce que Batiman n'a pas voulu faire parce qu'il n'avait pas la capacité financière ou ils avaient d'autres choix à faire, c'est important. C'est-à-dire qu'il faut garder cette prise de hauteur permanente pour prendre ses inputs, arbitrer et décider. Il n'y a pas de modèle type à copier dans un cas et dans un autre. C'est plutôt une démarche méthodologique qu'on a voulu partager aujourd'hui pour que vous puissiez vous projeter dans cette question-là. Surtout qu'avec les éléments qu'a cité Mathieu sur les aspects de soutien, on voit qu'il y a aujourd'hui une véritable volonté de pousser les PME encore plus fort à l'export. Et donc, comme nous, on le dit toujours à nos clients, allez voir, réfléchissez, testez. Et après, il sera toujours temps de décider si c'est opportun ou pas opportun pour vous. Mais en tout cas, ne vous interdisez pas de regarder.
Voilà le point qu'on pouvait partager avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup, Mathieu, Pascal, Jean-Claude. C'était super intéressant et très clair. Voilà, pour les participants, voici les coordonnées des trois intervenants. Donc, n'hésitez pas à contacter voilà, Mathieu sur la partie financement, très importante pour toute implantation. Et voilà, et Pascal et Jean-Claude concernant voilà, des questions pour une implantation en Espagne ou dans d'autres pays du réseau d'Adambes, parce que comme il l'a mentionné, ils ne sont pas implantés qu'en Espagne. Donc, voilà, je pense qu'il était très clair parce qu'il n'y a pas de questions. Je pense qu'il y a plutôt des personnes intéressées sur la présentation qui sera partagée à tous les participants. Et donc, du coup, je vous propose de faire un tout petit dernier tour avec un dernier message que vous souhaitez faire passer, comme Pascal, vous venez de le faire. Donc, peut-être un dernier tip. Un dernier message que vous un dernier conseil que vous voudrez faire passer aux participants d'aujourd'hui. Donc Mathieu, je vous laisse démarrer. Oui, bien sûr. Donc je vous remercie Gisèle. Juste pour terminer, du coup, pensez à le mot d'ordre ou le mot clé finalement dans vos démarches, ça va être, comme l'aurait vu, se faire accompagner sur différents volets et surtout anticiper vos besoins et les planifier en amont. C'est notamment essentiel côté financement public. C'est pas une fois qu'on a commencé à initier les démarches, on va dire, de prospection qu'on doit penser à faire la demande de financement sur ces sujets-là. Donc vraiment planifier et anticiper. Voilà. Combien de temps vous pensez qu'il nous faut pour ça peut être assez rapide, hein, mais on va dire un mois avant les démarches, okay. Entre 1 et 2 mois avant les démarches, on va dire. Ok, merci Mathieu. Pascal. Pascal, vous m'entendez? Oui, pardon. Oui, très bien. Moi, ce que je pourrais dire, c'est que un truc très simple, c'est considérer que c'est possible pour moi. C'est pas parce que j'ai une petite entreprise, que j'ai pas d'expérience, que ce n'est pas possible. Mais ce qui veut dire aussi, dans le champ des possibles, c'est que je m'autorise toutes les solutions, voire celles de me retirer. Et donc, se retirer et abandonner un pays, ça veut pas dire automatiquement en situation de, je dirais, d'échec, hein. On teste en entreprenant des choses qui fonctionnent plus ou moins bien et ce sont des arbitrages. Mais s'autoriser à regarder, ça veut pas dire automatiquement s'engager trop fort, trop loin, c'est le faire de manière modeste et planifiée comme Mathieu le soulevait. Merci beaucoup Pascal. Et Jean-Claude? Oui, merci Gisèle. Non, ce que je voulais simplement dire, c'est que je voudrais surtout pas avoir transmis une sensation d'échec au travers de cet exemple, mais simplement montrer que les différences entre marchés existent et que dans cette démarche, il peut y avoir des étapes. Une première approche du marché, comme l'a dit justement Pascal, ne doit pas être considérée comme un échec, mais un palier qui peut servir éventuellement à se structurer. Si je dois changer mon système informatique, je vais prévoir qu'il puisse être utilisable en anglais et en espagnol, ce qui n'était pas dans le cas de l'entreprise avec laquelle j'ai collaboré. C'est quelque chose qu'on peut inscrire dans une progression de l'entreprise, à la fois dans ses recrutements, pensez aussi à recruter des gens qui parlent la langue du pays sur laquelle on veut se diriger. Ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose qui amène à une construction d'un projet, à une structuration de ce projet qui peut être très, très intéressant. Donc, une étude comme celle que j'ai réalisée peut permettre de mettre en place, avec les moyens adaptés et dans un temps déterminé, permettant d'arriver à des niveaux intéressants, comme l'exemple de Brico Dépôt que j'ai cité tout à l'heure, pour se structurer, se préparer et dire, bon, ben maintenant, quand je suis prêt, j'y vais, mais je sais exactement comment faire et là, je suis en risque d'échec pratiquement nul.
Parfait. Merci beaucoup, Jean-Claude. Bon, je vous dis à nouveau merci beaucoup. Les replays sont déjà disponibles sur les chats. Clément vient de mettre les liens pour les replays pour les personnes qui voilà, souhaitent revoir la présentation ou avoir les contacts de nos intervenants. Merci encore à vous trois et à tous les participants. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Merci. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.